Alors, qu'est-ce qu'on va faire à la retraite Solisis en Transylvanie? D'abord, le fait que vous êtes au dehors de tout contexte connu, vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas la langue et il y a d'autres habitudes, d'autres manières de vivre. Tout ça vous aide à sortir un peu de l'habituel. Vous donner une semaine pour vous-même, plonger profondément à l'intérieur de vous-même, respirer, regarder le ciel, la nature qui est en abondance tout autour et merveilleuse en été. C'est une semaine pour vous où on essaie de se couper même de son propre mental, de nos pensées habituelles, de tout ce qu'on fait d'habitude. Non, je plonge à l'intérieur, au-delà de tout ce que je connais, je répète tous mes mécanismes pour découvrir cet espace lumineux à l'intérieur de moi. On a des rencontres, matin et soir, on parle sur des sujets des enseignements de connaissances intérieures et comment ça marche. On peut aborder des différents angles, parler de nos corps subtils, expérimenter surtout par la pratique. C'est une semaine d'expérimentation, en effet, ce n'est pas philosophique cette se rencontre. C'est là où vous expérimentez dans le silence. Pendant nos rencontres, on fait des méditations, on parle, on laisse l'espace, le silence faire son œuvre. Et entre-temps, vous pouvez vous promener, lire, vous reposer, vous donner un temps pour vous. Un espace au dehors de votre quotidien habituel. Je vous attends avec plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, m'écrire et communiquer.